Bienvenue à une nouvelle leçon du cours pour programmeurs en Java, intitulée « Gérer la disposition ». Alors, comme vous devez le savoir, de nos jours, Internet a pris une ampleur au niveau de l'utilisation. Alors, maintenant, il s'oriente beaucoup plus vers des pages dynamiques et même la façon de programmer devient d'une manière dynamique. C'est-à-dire que vous avez besoin de remplir des formulaires qui attaqueront bien sûr des bases de données locales sur le même poste, voire même sur des serveurs, voire même sur des segments différents, c'est-à-dire de l'autre côté, dans un autre segment au niveau d'Internet. Alors, pour ceci, vous avez besoin de construire, si vous voulez, de concevoir des formulaires. Et bien sûr, ces formulaires, vous les envoyez. Alors, il y a soit les scripts CGI qui s'occupent, bien sûr, de pouvoir transporter les informations de votre formulaire vers les bases de données, soit vous avez des servlettes qui sont beaucoup plus sécurisées et plus rapides. Alors maintenant, l'objectif de cette leçon-là, c'est de pouvoir travailler, si vous voulez, la plateforme de construction des formulaires pour vous montrer un petit peu comment Java gère la construction de ces formulaires pour pouvoir y insérer des informations, des boutons et ainsi de suite. Alors sans plus tarder, le menu. Alors, on va voir les conteneurs et dispositions. Les Layout Manager. Les mécanismes principaux. Les bords et espaces. Et puis, la disposition manuelle. On va commencer par le premier point, les conteneurs et dispositions. Alors, vous avez votre écran. Alors cet écran-là, c'est l'écran de votre ordinateur où va bien sûr va être visible votre formulaire que vous allez remplir. Vous avez les containers qui contiennent bien sûr toutes les méthodes que vous allez utiliser pour pouvoir bien sûr travailler avec vos formulaires. Et vous allez avoir vos composants, les components, les composants que vous allez aussi utiliser. Alors tout ceci, bien sûr, en utilisant le Layout Manager, c'est un, si vous voulez, une procédure qui va vous permettre de pouvoir travailler correctement et de concevoir votre formulaire. Mais à ce moment-là, vous allez avoir une relation entre les containers et le Layout Manager, et puis bien sûr, la construction de votre formulaire avec tous les boutons qu'il faut. Alors automatiquement, il va y avoir une certaine communication entre tous les composants, à savoir les containers, les components, les composants, les Layout Manager, et bien sûr, le formulaire qui fait l'objet de votre programmation dynamique. Alors la gestion du layout. L'emplacement physique des éléments est déterminé de manière dynamique en phase d'exécution. Alors, il y a deux facteurs qui déterminent l'aspect graphique. L'ordre dans lequel s'ajoutent les divers éléments et puis la politique de gestion du layout adoptée. Alors maintenant, comme vous devez le savoir et comme vous l'avez déjà constaté au niveau des pages web, vous trouvez une certaine programmation sous forme de frame, de multifenêtrage. Alors on va voir ici maintenant comment utiliser, si vous voulez, non pas le multifenêtrage, mais comment pouvoir basculer d'un élément de votre espace graphique vers un autre élément. Mais tout d'abord, au préalable, il faut le concevoir correctement et bien sûr le dessiner correctement. Si vous dessinez ça correctement avec des emplacements bien définis et qui sont bien programmés, bah automatiquement vous n'allez nul avoir de problème, vous n'allez pas avoir de problème au niveau de la communication entre les diverses zones de cet emplacement ou de ce formulaire-là. Un exemple, vous allez retrouver un exemple au niveau, bien sûr, du chapitre 5, GUI rubrique.java. C'est la rubrique téléphonique avec interface graphique. Et ça, on va le voir un petit peu plus loin lorsqu'il va falloir concevoir une base de données, d'accord, au niveau de votre serveur. On va essayer de reprendre le même exemple tout à fait au niveau de la 40e ou la 45e leçon. Alors, analyse des classes. Alors, l'analyse des classes, comme vous l'avez déjà vu au niveau des toutes premières leçons, on ne peut pas faire un programme sans faire une analyse préalable. Alors, il existe plusieurs manières normalisées pour pouvoir analyser un programme. Il existe l'analyse classique, l'analyse Meurisse, avec lesquelles on travaille bien sûr les bases de données relationnelles. Et il y a maintenant l'analyse UML qui nous permet bien sûr de faire de la programmation orientée objet. Alors maintenant, on va voir la classe de cette rubrique téléphonique, les classes qu'on doit utiliser. Donc vous avez la classe rubrique téléphonique elle-même.
Vous avez bien sûr les items rubriques, les différentes rubriques de la classe rubrique téléphonique. Vous avez les rubriques simples. Et puis vous avez l'interface graphique qui va communiquer entre la rubrique téléphonique. Donc c'est ça l'analyse des classes pour bien sûr concevoir et réaliser une interface graphique pour pouvoir remplir votre formulaire. Alors les méthodologies de projet, il y a trois fonctionnalités principales. La recherche, l'insertion et la modification. Comme n'importe quel programme au niveau de toutes les applications dans le monde entier, on trouve les principales tâches pour pouvoir gérer un programme, c'est le fait d'insérer un nouvel enregistrement, le fait de pouvoir modifier un enregistrement qui est existant, et le fait de rechercher un enregistrement pour le modifier ou pour, bien sûr, le supprimer. Alors, trois panneaux visualisés en alternative, les JT, Abedpan. Alors, le panneau de recherche, c'est une matrice, donc c'est un tableau. Et à ce moment-là, au niveau de votre tableau, vous avez la possibilité soit d'utiliser des cellules, soit la possibilité de pouvoir fusionner des cellules. Dans le cas de la première ligne, nous avons fusionné, nous avons bien sûr positionné notre champ au niveau de 4 cellules. Vous avez bien sûr une cellule où on a inséré le bouton nom, le bouton numéro. Et vous avez bien sûr les 3 ou 4 lignes suivantes avec les colonnes qui ont été fusionnées et qui vont recevoir un champ où vous pouvez saisir des informations. Alors, panneau d'insertion. Vous avez une autre forme de panneau d'insertion. Alors, vous avez par exemple la première ligne qui va être occupée par un champ du formulaire qui prendra le nom du nom, par exemple. Et bien sûr, un autre champ qui prendra le nom numéro. Et là, vous laissez un espace et puis vous mettez le bouton d'insertion pour pouvoir ajouter un nouvel enregistrement. Alors, toujours est-il, il faut savoir concevoir un masque de saisie ou un formulaire pour n'importe quel type de commande. C'est-à-dire, pour l'insertion, vous allez insérer un masque. Pour la modification, vous allez insérer un autre masque. Et pour, bien sûr, la mise à jour, un autre masque. Et c'est très important de pouvoir les échanger pour pouvoir faire, bien sûr, la distinction entre les trois formulaires. Panneau de modification. On le voit ici, donc vous avez un espace pour le nom, un espace pour le numéro, et bien sûr, des boutons qui vous permettent soit de modifier, bien sûr, le contenu de vos enregistrements, soit de pouvoir éliminer ou supprimer l'enregistrement en cours. Alors, le Layout Manager. Le Layout Manager est une procédure qui va nous permettre, bien sûr, de construire ces aimants-là. Alors, cette procédure, elle se compose de plusieurs procédures, si vous voulez, bien organisées, de plusieurs commandes bien organisées, qui vont nous permettre, bien sûr, de tracer correctement notre formulaire. Alors, chaque container fait référence à un propre gérant de Layout. Il détermine comment doit être subdivisée la portion d'écran, la position et les dimensions des divers composants. Et puis, vous avez divers types de layout manager qui existent. La dimension des composants, donc la dimension d'un J-component, est déterminée par le layout manager à l'intérieur d'un intervalle donné, défini par les attributs minimum size et maximum size. Alors là, on va comprendre comment pouvoir construire une matrice, si vous voulez, et construire un formulaire ou concevoir un formulaire. Mais pour ceci, vous avez un ensemble de commandes qui vont vous permettre de gérer tous ces éléments-là pour pouvoir concevoir correctement un formulaire très professionnel et qui pourra éventuellement faire l'objet d'une communication dynamique entre, bien sûr, la page de formulaire ou, bien sûr, votre page de navigateur et la communication avec des bases de données s'il y a lieu de faire une communication avec une base de données. Alors, Preferred Size indique la dimension considérée optimale pour le composant. Le Flow Layout, les composants sont ajoutés de gauche à droite et ligne par ligne. Si un élément ne tient pas dans une ligne, il est placé au début de la ligne suivante.
Toujours au niveau du flow layout, les lignes peuvent être alignées à droite, à gauche ou au centre par défaut. Il ne change pas les dimensions des composants. Le flow layout ne change pas la dimension des composants. Alors, le grid layout et le grid back layout. L'espace est divisé en un nombre de lignes et de colonnes. Et chaque élément est placé dans une case. Dans grid layout, les cases ont toutes la même dimension. Dans le grid bag layout, il est possible de préciser diverses contraintes à la dimension de chaque case. Alors maintenant, tout dépend de la façon dont vous voulez préparer votre formulaire. Vous pouvez travailler un formulaire avec des cases qui ont des dimensions identiques. Mais à ce moment-là, vous allez utiliser la méthode grid layout. Alors maintenant, si vous avez besoin de changer les dimensions de vos cases, à ce moment-là, il faut avoir recours à la méthode grid bag layout. Alors, le grid layout, au moment de la construction, on précise les dimensions de la grille. Mais toujours est-il, comme je viens de l'expliquer, les dimensions de la grille, c'est-à-dire chaque cellule aura la même dimension que toutes les autres cellules de la matrice. Alors, les composants ajoutés vont occuper dans l'ordre les cases à partir de la position en haut et à gauche. C'est-à-dire que lorsque vous allez commencer à remplir vos cellules, vous allez commencer du haut vers le bas et de la gauche vers la droite. Alors vous avez votre matrice avec un certain nombre de lignes et de colonnes. Donc les lignes, vous en avez 4 lignes, voire 5, puisque vous avez une ligne intitulée 0, et vous avez 3 colonnes. Alors, lorsque vous construisez une matrice de ce genre-là, avec, bien sûr, l'événement grid layout, automatiquement, toutes les cellules auront, bien sûr, les mêmes dimensions. Alors, vous avez une cellule, vous avez une deuxième cellule, vous avez une troisième cellule, et ainsi de suite. Mais vous n'avez pas la possibilité de pouvoir avoir une cellule qui a une autre dimension que celles qui ont été présentées tout à fait au début. Alors, le grid bag layout. Alors, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, le grid bag layout, il nous permettait d'avoir des dimensions personnalisées pour chaque cellule. Alors, la portion à gérer est subdivisée automatiquement en un nombre donné de lignes et de colonnes. Alors, maintenant, on va voir les mécanismes principaux. Quand on ajoute un composant, on spécifie un ensemble de contraintes auxquelles il doit se soumettre. Et là, c'est très important, parce qu'il ne suffit pas de tracer une matrice ou de tracer un formulaire, mais ce qui est très important, c'est de montrer quelles sont les contraintes dont peuvent, bien sûr, être ces cellules-là en contact. Et ça, c'est très important. Alors, position, le nombre de cellules occupées, l'alignement, l'espacement, subdivision de l'espace libre entre les cellules. Alors tout ça, ce sont des réglages ou ce sont des contraintes auxquelles vont être soumises, bien sûr, chaque cellule de la matrice que vous allez construire. Alors, soit la matrice suivante, toujours avec 5 lignes et 3 colonnes. Alors, vous voyez qu'avec cette méthode, vous avez la possibilité d'occuper, si vous voulez, de fusionner quelques cellules, que ce soit de façon horizontale ou de façon verticale. Vous avez la possibilité de le faire ici aussi. Comme vous avez la possibilité d'utiliser une seule cellule. Voilà. Alors maintenant, vous avez la méthode qu'on vient de citer tout de suite qui vous permet de faire ça. Avec la première méthode, vous n'avez pas la possibilité de pouvoir travailler de cette manière-là. Pourquoi ? Parce que c'est une méthode où toutes les cellules ont les mêmes dimensions. Alors, le grid bag constraint, c'est pour les contraintes, permet de préciser les contraintes auxquelles un composant doit se soumettre. Alors, vous avez bien sûr les méthodes suivantes, le grid X et le grid Y, c'est l'emplacement du composant, si vous voulez, au niveau de l'écran, où vous allez le placer. Alors, vous avez des choix. Ou bien vous allez les placer sous forme d'un nombre de colonnes et un nombre de lignes, sachant que votre écran, par exemple, dispose, je vous donne un exemple, de 80 colonnes et 25 lignes.
Alors maintenant, on souhaite la possibilité de pouvoir les disposer par pixel, sachant qu'un écran a une certaine résolution et où chaque résolution diffère d'un écran à un autre. C'est-à-dire que vous pouvez retrouver un écran avec 1024 pixels, si vous voulez, en largeur sur 768 pixels en hauteur. Vous pouvez en trouver plus, vous pouvez en trouver moins. Alors tout dépend de la résolution de votre écran. Alors maintenant, avec les méthodes que vous venez de voir, le grid X et le grid Y, ils vont vous permettre de pouvoir positionner votre élément au niveau de votre écran. Alors, grid wide and the grid height, nombre de cellules occupées. C'est pour pouvoir, bien sûr, mentionner le nombre de cellules occupées. Alors, le weight TX et le weight TY, c'est le poids du composant. Alors, encore, c'est la position à l'intérieur des cellules. Alors, tout ça, c'est ce qu'on appelle des contraintes de cellules. Fill indique si le composant s'étend jusqu'à occuper tout l'espace ou pas. Alors, on va voir un exemple. On va faire appel au set layout, new grid back layout. Donc, vous voyez le grid back layout. Il va nous permettre de construire une matrice, mais une matrice personnalisée. Donc, c'est une matrice avec laquelle on peut choisir les dimensions de chaque cellule au niveau de notre matrice. Alors, grid back constraint. Donc, ici, nous faisons appel à la méthode qui va nous permettre de créer des cellules avec des dimensions personnalisées. Et ici, vous avez une méthode qui va vous permettre d'affecter des contraintes à votre objet. Alors, JBC est égal new grid back constraint, c'est-à-dire que vous allez construire une nouvelle instance de la classe grid back constraint. Alors, vous avez le JBC point le weight TX est égal à 100. Le jbc.leweight TY est égal à 100. Le jbc.gridx est égal à 0 pour pouvoir les positionner tout à fait au haut de l'écran. À ce niveau-là, lorsque vous avez des coordonnées 0, 0, c'est à ce niveau-là que vous allez positionner votre objet. Là, bien sûr, c'est la dimension. JBS grid y est égal à 1 et JBC, pardon, grid height est égal à 4. Et puis, Add New Canva JBC. Donc, c'est un exemple qui va vous permettre de tracer une matrice et on va la voir tout de suite. Alors, le border layout, le rectangle à gérer est divisé en 5 sections cette fois-ci. Nord, Sud, Est, Ouest et Centre. Les dimensions relatives des différentes zones sont déterminées dynamiquement. On ajoute des composants avec des commandes du type Add New Button, OK, North et ainsi de suite. Et on va voir le tableau tout de suite. Le tableau qui va être créé, bien sûr, il va y avoir plusieurs positions. La position Nord, la position Ouest, la position Center, la position Est et la position Sud. Et bien sûr, vous avez la possibilité de placer au niveau de chaque position les éléments que vous voulez. Ça peut être, bien sûr, des zones de texte, comme ça peut être des boutons de commande. Et vous avez aussi la possibilité de pouvoir basculer d'une zone à une autre zone, tout en considérant ces éléments comme des frames, comme on le fait au niveau du langage HTML ou du langage XML. Alors, permet d'aligner les composants en ligne ou en colonne. Donc, c'est plus flexible que le grid layout, moins complexe que le grid back layout. Alors maintenant, il reste typique des conteneurs de type javax.swing.box. Donc là, bien sûr, c'est la bibliothèque qu'il faut implémenter pour pouvoir utiliser ces commandes-là. Alors, les box layouts cette fois-ci, vous avez la possibilité, bien sûr, de pouvoir insérer au niveau de votre matrice des box, au lieu d'insérer des cellules, mais des box. Mais à ce moment-là, vous devez utiliser, bien sûr, des commandes bien spécifiques qui vont vous permettre de les insérer. Alors, vous avez box horizontal et vous avez le box vertical. Donc, horizontal, vous les voyez ici, et les box verticales, vous les voyez ici. Alors, à côté des composants de base, il est possible d'ajouter des éléments transparents pour gérer les alignements et les espacements. Alors, strut, espacement minimum dans une direction donnée. Donc, c'est une méthode que vous pouvez utiliser pour pouvoir, bien sûr, gérer votre espacement.
Rigid Area, c'est un espacement fixe bidimensionnel. Glue, Resort, qui éloigne le plus possible dans la direction indiquée des composants adjacents. Tout dépend bien sûr du contenu maintenant de votre matrice. Alors vous avez maintenant plusieurs éléments qui vont vous permettre de pouvoir régler votre matrice comme vous le voulez et d'une manière très professionnelle. Les bords et les espaces. Alors en principe, au niveau de chaque matrice, vous avez la possibilité de créer des bordures. Alors Java vous donne la possibilité de créer des bordures, comme il vous donne la possibilité de créer des bordures avec un chiffre qui est égal à 0, ça veut dire qu'il n'y a pas de bordure, mais toujours est-il, il vous garde quand même l'espacement conçu pour cette bordure-là, mais qui ne sera pas visible. Tous les composants qui étendent le J-Component peuvent être munis d'un bord. Les bords sont construits à partir de Border Factory, donc bien sûr c'est la commande qui va vous permettre de faire ça. Un bord empty, c'est-à-dire un bord vide, permet de créer un espacement autour du composant. Alors maintenant, si vous voulez effectivement avoir un espacement autour du composant, vous allez créer un espacement. Mais un espacement qui reste vide, bah, automatiquement vous allez laisser de l'espace entre les deux composants. La disposition manuelle. Alors maintenant, si vous n'avez pas besoin d'utiliser le layout, vous avez aussi la possibilité d'utiliser tout ça manuellement. Parce que le layout, c'est une commande dynamique et qui vous permet de faire ça d'une manière automatisée. Alors maintenant, si vous voulez le faire d'une manière manuelle, vous avez d'autres commandes et d'autres méthodes qui vont vous permettre de faire ce travail-là. Il est possible de disposer manuellement des composants. On n'emploie pas de layout manager, comme je viens de l'expliquer. Et à chaque fois que l'on ajoute un composant, on en précise la position et les dimensions par rapport à la méthode setBounds. Alors, contrairement au layout, puisque la matrice était dynamique, elle nous permettait d'avoir des positionnements automatisés. Maintenant, lorsqu'il s'agit de travailler manuellement, ben, pour chaque composant, il va falloir spécifier les coordonnées exactes pour pouvoir les implémenter au niveau de la matrice. Alors, vous avez un programme. Vous avez le set layout qui est égal à nul. Alors, le bouton OK, vous allez créer une nouvelle instance de l'objet bouton de la classe bouton. Vous allez ajouter added OK. Et puis ok.setBounds, x, y, avec bien sûr, si vous voulez, les dimensions, les coordonnées x, y, et les dimensions bien sûr de votre composant. Alors maintenant, si vous avez besoin d'informations complémentaires, vous pouvez toujours vous connecter au site de Netuno en cliquant sur le lien MedNetuno.